C'est un témoignage qui secoue le monde du cinéma français. L'actrice Adèle Haenel accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'agression sexuelle. De ses 12 à ses 15 ans, la Française aurait subi des attouchements répétés durant le tournage du film Les Diables de Ruggia. Ce lundi, elle a décidé de prendre la parole. Dans un entretien donné à Mediapart, l'actrice césarisée dénonce l'emprise du réalisateur, les baisers forcés dans le cou, ainsi que le harcèlement sexuel permanent dont elle aurait été victime. Malgré son témoignage saisissant, Adèle Haenel ne souhaite pas porter plainte, déplorant le système judiciaire français qui, selon elle, condamne si peu et devrait se remettre en question. Interrogée ce mercredi matin sur l'affaire, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a estimé que l'actrice aurait tort de penser ainsi et devrait saisir la justice. Dans un droit de réponse publié sur le site de Mediapart, Christophe Ruggia nie toute agression, reconnaissant tout de même une erreur de comportement. Selon le réalisateur, il s'agirait de malentendus qu'aurait suscité sa posture face à l'adolescente. Malgré l'absence de plainte, le parquet de Paris s'est auto-saisi afin d'ouvrir une enquête pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans.